Salut les stations fréquences, les bonnes chaînes 1351 à vous tous de la part de Dandy 33 et bonne journée. Thank you.
retard d'un moteur pour en charge. Quand il est immédiatement chargé, c'est déjà mon moteur. Ouais. Par contre, pendant 10 minutes, donc, ce que t'as gagné, c'est du bon début, du bon de l'autre. Bah ouais, thank you.
parce que lui aussi il a pas mal de parasites, alors il est sur la piste là. Allez, écoute, moi je sais pas, aller sur le site pour voir sur internet comment ça marche, parce qu'il me dit, lui, il doit quand même être un peu virtuose du clavier, il a visité tout ça, alors c'est MFJ qui fabrique, donc c'est quand même une référence, parce que ce qui sort de chez MFJ en matière de radio, c'est pas de la merde en général, tu vois, ce sont des bons appareils, c'est américain, c'est une fabrication américaine, mais c'est bon quoi. Et alors MFJ qui fabrique ça, et puis il y a une antenne sur le truc, mais ça se met. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit qu'il y a une antenne sur le truc. Parce que si on ne le met pas dans la ligne d'antenne, si on le met branché sur une prise d'accessoire ou de je ne sais pas quoi, bref, il doit y avoir un petit récepteur dedans. Et ce récepteur reçoit le signal, et il y a le signal intéressant qui doit, par quel procédé, je ne sais pas, du juger c'est celui-là le bon. Il faut éliminer les autres. Et pour éliminer les autres, le procédé utilisé, c'est d'émettre un signal, mais déphasé de 180 degrés par rapport au premier, de manière à ce que l'effet du parasite soit annulé par l'effet du signal qui est émis, et au bout il reste que le signal utile, tu vois. Alors ça paraît pas con dans le principe, même pas du tout dans la réalisation. Je sais pas trop comment ils peuvent se démerder à faire ça, mais il paraît que ça existe. Et si c'est vraiment très efficace, alors c'est un truc qu'il y en aurait grand besoin chez moi. Il paraît que ça coûte, d'après ce qu'il m'a dit, je crois, je sais plus si c'est 239 ou 279 euros. Mais si, pour 300 euros, je peux rendre ma réception toute propre, oh putain, ça serait le jour et la nuit, la station, là. Ouais, je connais cet appareil, ouais, j'ai vu ce que c'était, ouais. C'est justement pour les interférences, tout ça, ouais, j'ai vu ce que c'est. C'est une petite antenne que tu déplies comme sur les antennes postes, c'est un petit truc télescopique, là, qui est branché sur tes émetteurs, justement. Sur récepteur, quoi. Enfin, c'est un émetteur récepteur, je pense, justement, qui envoie le côté pour annuler ou... je sais ce que c'est, même, j'ai vu le truc. Ah, tu l'as trouvé, toi, sur Internet, alors? Ouais, mais ça fait déjà un petit mois qu'il existe, je l'ai déjà vu, ouais. C'est MFJ qui fait ça, ouais. Ah ben justement, moi j'ai deux catalogues MFJ là à la maison, mais ils sont quand même assez anciens. Alors je sais pas si c'est des catalogues papier, hein. Alors si sur ces catalogues papier, je me rappelle pas avoir vu ce système antiparasite et tout ça. Mais je m'en vais ressortir le plus récent des deux, et puis reparcourir tout le catalogue MFJ pour voir si on trouve la trace de ce machin. Mais quand même, j'ai déjà parcouru souvent ces catalogues, et puis ça m'a pas sauté aux yeux ou aux oreilles. Ça ne m'a laissé aucun souvenir. Alors je pense pas que ça figure sur ces vieux catalogues. Non, mais tu vas sur Internet, tu vas le voir sur Internet. Ah ben oui, effectivement, mais il faut trouver le site, il faut pouvoir savoir bien naviguer. Moi, quand je commence à naviguer, je perds le nord. Comment veux-tu que je revienne à bon port après? Ah mais tu vas sur Google, puis tu tapes MFJ et tu vas tomber sur le site, après tu vas à l'intérieur. Oui, effectivement. J'aurai le catalogue récent, donc, de la société MFJ. Oui, c'est possible. Eh bien, si je le retrouve pas sur le papier, je tenterai le drop. Oh oui, tu vas pas t'arriver à faire, au contraire. Ben oui, ça m'occupe. Il faut bien occuper son temps à quelque chose. Alors, on passe pas mal de temps en cuisine, mais la cuisine, quand on la fait, il faut la bouffer après. Et alors, ça nuit à ton cholestérol. Alors, d'autres activités qui ne seraient pas liées à la bouffe, ça me permettrait de passer du temps, agréablement, j'espère, et puis d'être renseigné sur des choses qui nous intéressent. Bon, et c'est pas une occupation malsaine, ça. Ben oui, tout à fait. Non, sinon, ben, tu sers les offres de particulier, tu dis, par bien chargé l'après-midi. Bon, le parti était 2h30, j'avais rendez-vous à 3h30 là-bas, il fallait que je sois un petit quart d'heure avant. On est parti à 2h30, on est rentré, tu vois, il y a 10 minutes avant que je tiens sur les ondes, là, voilà. Donc, ça nous a pris pas mal de temps, quoi. Ah, ben oui, mais je sais que c'est...